Bonjour et bienvenue à ce 7e chapitre. On va parler plugin dans Lightroom et on va regarder un plugin qui permet de rajouter des effets à vos photos. C'est la série Google Nick Collection. Alors en fait, on va pas la regarder du tout en détail. Ça, vous irez apprendre tout ça par vous-même. Google fournit plein de vidéos très intéressantes. Mais je vais vous montrer les deux manières d'utiliser ce genre de plugin avec Lightroom, parce qu'on a une manière Lightroom avec le plugin tout seul, ou on a une manière Lightroom, Photoshop et le plugin. Et il y a une petite différence entre les deux, donc on va aller voir ça. Donc c'est des choses, ça s'installe, et une fois que vous l'installez, vous aurez ça dans les différents menus d'édition. Donc je vous propose d'aller directement dans Lightroom, voir ce qui se passe. Dans Lightroom, ici, j'ai une photo, d'accord, et si je fais un clic droit, il y a ici « Modifier dans ». Alors, j'ai Photoshop, d'accord, mais j'ai aussi les différents plugins qui apparaissent là. Donc, je vais prendre ColorFX, par exemple, pour rigoler. Voilà, on va prendre celui-là. Il me dit « Modifier une copie avec les corrections Lightroom ». Oui, forcément une copie, parce que moi, je suis en RAW, et ces logiciels-là ne savent pas modifier du RAW. Pareil, au niveau de format de fichier, hein, faut prendre TIFF ou JPEG, vous ne pourrez pas éditer du PSD avec. Donc je vais prendre TIFF, voilà, modifier. Très bien, il part, il va lancer ColorFX, et là je vais me retrouver à l'intérieur de ColorFX avec tous les effets de ColorFX. Alors là, je peux faire un peu ce que je veux. Là, par exemple, c'est un effet Bleach Bypass. Vous avez les notions des U-Points dans ces plugins. Là, par exemple, je vais dire, je veux appliquer l'effet que dans cette partie du ciel, ou tiens, la partie centrale qui est là. Voilà, uniquement. Je veux, par exemple, rajouter un autre effet. Et dans cet autre effet, par exemple, je veux rajouter Tonal Contrast. Allez, il est là. Ça va donner un peu plus de peps à tout ça, à part que je veux le virer de la partie en haut là, où j'avais déjà mon Bleach Bypass qui fait de l'effet. Et je peux encore rajouter d'autres choses si je veux ajouter. On va faire comme s'il y avait un peu de brouillard dans la chose. On va le rotation, vous voyez, on peut le bouger comme ça. Je vais mettre plutôt comme s'il y avait du brouillard vers le bas. Voilà, on va le bouger. Voilà, c'est juste pour faire un petit effet. Voilà, j'ai fait ma photo, je fais enregistrer. ColorFX applique les effets, sauve le TIFF et le rend à Lightroom. Et dans Lightroom, vous retrouvez avec la photo qu'on vient de modifier. Bien. Imaginons maintenant que j'ai cette photo et je dis non, mais le brouillard, ça ne veut rien dire du tout, il faut le virer. Comment je vais faire? Alors, instinctivement, j'aurais tendance à dire qu'on fait modifier dans ColorFX Pro 4. Là, je vais modifier, moi j'aurais tendance à dire l'original. Et je fais sur modifier. On va voir ce qui se passe. ColorFX s'ouvre. Et alors là, il me met à nouveau sur Bleach Bypass. Donc, je vais le virer pour voir. Mais le problème, c'est que là, je ne retrouve pas tous les effets que j'ai appliqués. Et c'est assez normal, en fait. Hein, vous avez fait un pointif. Ce pointif ne permet pas de sauver les réglages de ColorFX à l'intérieur. Il n'y a pas de fichier associé à côté qui permettrait à ColorFX de s'y retrouver. Donc ColorFX, quand vous lui demandez d'appliquer un effet, il l'applique, il sauve l'image, et puis voilà, c'est fini. Hein. Si vous voulez reprendre la photo, ben, le seul moyen, ça serait de créer à ce moment-là dans ColorFX des presets, d'accord, et de refaire une copie de l'original, d'appliquer le preset et de réduire éventuellement certains paramètres. Donc, faites attention à ça, ColorFX à l'intérieur de Lightroom, une fois que vous avez appuyé sur enregistrer, c'est trop tard, vous êtes obligé de refaire. Donc là, par exemple, si ça ne me plaît pas, hein, c'est ce que je dis, il faut que j'efface celle-là, il faut que je reprenne l'original, il faut que je fasse modifier dans ColorFX, d'accord, et je reprends l'original, et je refais tout mon développement. Donc ça, pas très très pratique, j'aurais tendance à dire, à l'intérieur de Lightroom. Et là, vous voyez, je peux rajouter les effets que je veux à l'intérieur de ColorFX. On va voir une autre manière de faire qui est peut-être un peu plus intelligente et qui est liée surtout à Photoshop. Donc là, je vais faire annuler. Celle-là, je vais la revirer, delete, d'accord. Là, je vais prendre cette photo, je vais faire modifier dans, et là, je vais dire, pas dans Photoshop, je vais dire ouvrir en tant qu'objet dynamique dans Photoshop. Un objet dynamique dans Photoshop, c'est un objet qu'on va pouvoir modifier, d'accord. Donc là, je choisis mon profil de couleur correct.
Et là, je vais faire filtre, ni collection, colorifix. D'accord? Jusque-là, pas trop de différence. Et là, colorifix va me dire quelque chose. Il va me dire, ah, j'ai repéré que tu es un objet dynamique. Et donc, vous voyez, colorifix a déterminé que le calque actif est un objet intelligent et il fonctionnera désormais comme un filtre intelligent. Donc là, ça veut dire que je vais pouvoir revenir. Alors, on va tester la chose. Hein. Je vais mettre mon Bleach Bypass à nouveau, je vais le mettre ici, voilà. Je vais rajouter du grain de film, imaginons. Puis je vais rajouter encore, je sais pas moi, Indian Summer, pourquoi pas. Voilà, j'ai changé mon image, c'est tout ce que je voulais montrer. Je fais OK. Il applique à ce moment-là les modifications à l'image, comme avant, hein. Mais il les applique, vous voyez, en tant que filtre dynamique. Et ça, on va voir la différence après. Là, pour l'instant, je vais sauver cette image. Voilà. Je reviens dans Lightroom. Il sauve l'image. Et il me rend la main. Et dans Lightroom, vous voyez que j'ai ici hein, mon image modifiée .psd. Maintenant, imaginons que le Indian Summer, ça ne me plaît pas. Bah, c'est simple, là, je vais faire modifier dans Photoshop. Je veux dire que je veux modifier l'original. Modifier. Donc là, il m'ouvre mon Photoshop. D'accord? Avec tout dedans. Et j'ai mon filtre ici qui est toujours là, le filtre dynamique. Je double-clique dessus. Colorifix se lance. Et là, sur le côté, il me dit toujours, je suis filtre intelligent. Très bien. Et là, sur le côté, vous voyez que je retrouve les filtres que j'avais appliqués. Donc, je peux par exemple dire, je ne veux plus de l'Indian Summer et je veux à la place rajouter des bords à l'image. Voilà, un bord blanc comme cela. Non, pardon. Je veux ajouter un bord blanc à l'image, comme ceci. Je fais OK. Colorifix a toujours appliqué ça en tant que filtre d'objet dynamique. Je sauve, je reviens dans Lightroom. Et dans Lightroom, je me retrouve bien avec ma photo, avec les bords blancs. Donc vous voyez qu'il y a quand même un petit intérêt à passer par Photoshop lorsqu'on utilise les plugins comme Nik Collection. Parce qu'en travaillant avec les objets dynamiques, vous pouvez faire un développement non destructif. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez revenir dessus quand vous voulez. Tandis que si vous l'utilisez directement à partir de Lightroom, les modifications que vous faites sont destructives. Vous ne pouvez pas revenir dessus. Vous êtes obligé de tout recommencer. Alors, l'inconvénient de la chose, parce qu'il y a sûrement un petit inconvénient de la chose, on va le retrouver ici, c'est que mon fichier là, il fait 240 mégaoctets. Donc, si vous travaillez avec les objets dynamiques dans Photoshop, prévoyez une machine quand même un peu sympa, un peu grosse, un peu puissante, parce qu'autrement, ça va ramer énormément. Voilà, c'est tout. Merci.